Vodoum, Sekiltim. An di yon kout Aïbobo pou Boukman, Makandal, Sankara et Latrier. Ak tout San Barweyo ki te choisi sakrifye vyo pou eritaj sa. Vodoum, Sekiltim. Mevito, suive émission sa. Chak samedi, soti 10h pou yve 11h nan matin. Vodoum, Sekiltim. Se deti koze sou racine nou. Sou Vodou Lakay. Sou Toxic FM. 91.3 FM Stereo. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. Es-tu pour nous? Pour nos ennemis. DHCT, tant qu'il y a un révolutionnaire, prend devant jeunesse là derrière. Mission, la guerre plate à terre, miraille ignorance, chômage à pauvreté, tant qu'il miraille Jéricho. Chaque critique, nous faisons un rond miraille là. Ou plein pour diplôme international, c'est à toi la besoin de respect dans le monde là, à toi pour travail à l'ouvrir deux battants, bah l'entrée. Ou longer doit être sous professeur, c'est lui ou la guerre dans le motel nous pour nous faire plus recyclage sous méthode pédagogique moderne. Ou dit trop option, nous faisons carré mété pour j'en yon suspend à risque vie yon dans Matisse cadavre. Léo dit stage nous garantit pour meilleur étudiant yon. Léo shooté sous local ou lever plume sous donne pour mettre étudiant yon dans meilleure condition pour apprendre ou attaquer formation. Nous réviser cursus à syllabus, rédiger livre qui adapté à réalité nous pour chaque option. Ou dit côté au pral travail, mais c'est là ou pas fort. Nous déchaîner dans bas étudiant nous yon formation à technique pour monter propre business yon. Ça fait 7 tout Mirail là, nous pral frapper. Vin fait 7 tout Mirail Jéricho Paula, dans sérigraphie, décoration événementielle, maquillage, montage vidéo, photo, vidéographie, dépannage cellulaire, dépannage d'ordinateur, graphique design, carrelage informatique, bureautique, technique window, cuisine et pâtisserie, cosmétologie, plomberie sanitaire, électricité, climatisation, réfrigération, anglais, espagnol, technique douanière, technique bancaire, secrétariat trilingue, administration des ONG, comptabilité informatisée, contremaître, hôtellerie et restauration. Passez inscrit du 1er au 30 août et puis réclamez un boost d'études free ou se composer dans les 4 même petit bagaille là. 100 boost d'études pour 100 premiers inscrits. Si vous barrez du 1er au 22 septembre, courir prendre demi-boost par là dans DHCT. Début des cours, 2 octobre 2023. DHCT, Cap-Haïtien, Rue 7F et Rue 8G. Téléphone 32 32 31 31 29 42 69 69 37 12 35 42. Port de Paix, Rue Benito Silvain. Téléphone 28 17 24 24 42 09 06 06. Soyez au pas avec les nouvelles technologies. Un top vibe Zion, baby. Mwen tou branché. Yo, Toxic FM. La station qui marche partout avec vous, Toxic FM. Radio jeunesse alliée, tendez. Toxic FM. La station qui marche partout avec vous, Toxic FM. Radio jeunesse alliée, tendez. Yon seul radio doit tendre. Depuis Jaja bonne chance pour réveiller. Toxic FM. Information, formation, distraction, c'est salié. Yon seul radio doit tendre. Depuis Jaja bonne chance pour réveiller. Toxic FM. Information, formation, distraction, c'est salié. Toxic FM. La station qui marche partout avec vous. Watchez. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kasika sur les cadres. On va s'aider, on va danser.
Arabie. Ou galia la Libye. Ou galia Antania. Lundi 11 septembre 2023. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le premier numéro Sport 91 pour ce maintenant. Déjà, nous saluons tout le monde qui est à bord 91.3 ou même tout, qui suivent nous sur page Facebook Radio. Nous disons bonsoir et espérons que vous avez passé un bon week-end déjà. Nous souhaitons une bonne semaine sur Radio Toxique FM. Mes principaux titres, nous allons développer dans le journal aujourd'hui. À l'échelle nationale, appel de sélection qui était en échec par Cuba dans la première journée Ligue des Nations de la CONCACAF. Côté Cuba, très match nul avec nous. Zéro goal partout et demain, nous pourrons jouer face à l'équipe jamaïcaine. Nous parlons tout de Frédéric Gonzalez qui mettait premier liste leader. Nous connaissons Frédéric, c'est nouveau sélectionneur, sélection nationale féminine qui pourrait le gain pour jouer Ligue des Nations féminines. C'est pour le dans moi ça même, c'est pour à partir du 21 septembre Cap Vinila. Nous parlons tout à l'échelle internationale de l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 dans la zone Amsterdam. N'a parlé tout de éliminatoire pour Euro 2024 côté et jeudi il y a Portugal qui pulvérise équipe Luxembourg. N'a parlé tout de Paul Pogba lui-même qui positif à la testostérone. Nous connaît testostérone c'est une substance qui interdit pour joueurs consommer un bien et Paul Pogba il testé positif. N'a parlé tout de Real Madrid qui visait Alvarez en cas d'échec dans dossier Kylian Mbappé pour Mercato qui va venir là donc et n'a prétendre comment ça va lier pour Real Madrid avec tout Kylian Mbappé et Julian Alvarez n'a pas tout de US Open nous connaît et qui finit et depuis hier et gain Djoko lui-même qui remporté le 24e titre de Grand Chelem face à Dani Medvedev et puis tout gain Coco Gauff en samedi qui débat Sabalenka. Bon côté mesdames, n'a pas le tout de Coupe du monde de basketball qui va que sélection allemande là remporté la face à la Serbie de Luka Doncic. C'est pour ça avec un pilote encore qui va le faire essentiel premier niveau sport 91 pour ce maintenant. Namiko c'est Patrick Avril et puis gagner Emmanuel cap touché bouton yo n'a pas un coup de pause n'a pas tourné. Yeah.
Merci Mano, nous retournons après pause là pour nous capable développer titre nous sont annoncé yo. J'aime te dire là, on a commencé à l'échelle nationale pour nous dire gagner sélection haïtienne de football là, les mêmes qui fait match nul face à Cuba dans cadre première journée Ligue des Nations de la CONCACAF, sélection qui fait 0 goal partout avec sélection cubaine et demain Haïti pour le jouer, c'est pour à 8h06 face à équipe Jamaïque là. Donc un match Haïti était joué dans camp avec Placide qui était comme gardien numéro 1 nous connaît et il était retourné parce que le pas du goal que plan. Et puis à gauche t'es gagné Alex Christian, à droite t'es gagné un joueur comme JP Simonsen, en défense et c'était Ricardo Adi avec Garvin mais tout ça là. Et puis dans l'axe c'est des pivots et gagné Jimmy Ben qui était accompagné avec Alfred Sinté et puis devant comme 10 t'es gagné dans les Jean-Jacques et les gauches c'était et Etienne et les droits Carnegie et puis et devant c'était Mondi Prunier comme attaquant pointe pour la sélection haïtienne de football qui fait un mauvais match face à Cuba, puisque Messi met son équipe qui n'a pas de conviction, et une équipe sans fond de jeu, et qui tape bien, et dégradé contre car équipe Cuba, dans ce premier temps, qui était venu jouer football, mais après, et qui était replié dans le col, et me décime que et sélection haïtienne non. Et yo pas vraiment et fait un set play et dans match là, c'est-à-dire pour sorti dans quand yo avec balle loin et puis yo fait plusieurs passes pour construire une action. Donc ça pas très fait bon côté sélection. Des fois les entraîneurs mettent 11, ça qu'arrivé 11 moun mettent yo et yo pas bay ça le besoin, mais par la suite il y a des changements qui capable changer et mi physionomie match là et pour entraîner une satisfaction ça qui pas fait et dans match malgré et changement Calderon mais en rien et pas très fait dans match là puisque et changement de FM quoi c'est Carnegie qui était sorti qui t'a remplacé par Steven Sians. M'a vraiment comprendre et changer ça puisque Carnegie t'a joué comme il est droit et puis et Steven Sians qui comme arrière droit est venu remplacer et sûrement il était monté et jouant comme ailier en parlant de JB Simonsen mais et là on joue un match au besoin goal m'a croire que c'est genre de changement ça yo entraîneur capable faire. Ensuite il y a un joueur qui sous bon encore et nous connaît qui très bon qui en pile vitesse en pile percussion en parlant de Luima, il pas monter Luima, il préféré et monter Jair Rougeant. Donc capable comprendre, il a habitude avec Jair Rougeant puisque et Jean les même tenant Gold Cup là pour sélection mais et pas monter du tout dans match en parlant de Luima, mais c'est que c'est pas et bon choix Calderon Pellegrino les même il était fait dans match là, mais c'est que son match n'a pas été en pile puisque nous parlons de deux matchs et face à l'équipe jamaïcaine et la Jamaïque qui était battue et pré-match 1, équipe Honduras à Angola 0. Et demain, nous pourrons jouer avec nous. Donc, c'est pour elle vraiment difficile pour la sélection haïtienne de football. Et dans Ligue des Nations, nous connaissons Ligue des Nations, la bonne possibilité pour nous capables de qualifier pour la Coupe América qui pourra le faire en été 2024. Mais premièrement, il faut qu'on finisse comme deux premiers et dans le groupe ça. Et on a Honduras, Jamaïque, et Cuba, et puis nous-mêmes, bien tout sur Namal Grenade. Mais nous connaissons, avec un nouveau format ça, et toute équipe peut compter avec toute équipe. Donc c'est pour ça que nous pouvons face à l'équipe Honduras. Et nous avons une double confrontation de référence face à l'équipe et Jamaïque non. Donc n'a pas étonné et qui ça qui va le passer, mais c'était vraiment un match exécrable pour sélection haïtienne de football là face à la sélection cubaine. Donc nous faisons 0 goal partout et match retour là c'est que il pourra difficile pour nous-mêmes face à Cuba et d'ailleurs demain et nous déjà gagné un gros adversaire devant nous qui c'est Jamaïque récemment et qui t'a fait demi-finale dans coupe d'or qui t'a fait dans le pays Canada avec États-Unis. Donc nous allons essayer d'entendre et coach là qui c'est Gabriel Calderon Pellegrino lui-même qui t'a parlé dans micro la presse après match nul à Haïti avec sélection cubaine. Oui, je suis déçu parce qu'on voulait gagner, je pense qu'on pouvait le faire, mais bon, malgré le résultat, j'essaye de penser aux aspects positifs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives dans l'équipe pendant ce match.
Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner. Je peux dire que c'est à cause du manque d'effectivité. On n'a pas été trop précis dans les derniers mètres. Je pense que le plan a très bien marché. On a été supérieur. On est arrivé au dernier mètre plusieurs fois. On a eu les occasions. Mais bon, ça arrive. Hein. Le foot, c'est comme ça. Marquer des buts, c'est très difficile. Tous les adversaires sont forts. Le but est très très cher. C'est pas facile pour personne. Mais bon, on va continuer à travailler. C'est votre lecture du match ? Oui, un peu la lecture du match, c'est ça. Je pense qu'on a eu surtout le protagonisme. Bon, surtout la deuxième mi-temps, c'est clair. Mais la première mi-temps, on peut dire que oui, Cuba a eu le ballon de temps en temps. Mais bon, je pense que nous, on a eu une possession beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus utile, qui a donné ses fruits parce qu'on est arrivé devant le but plusieurs fois. Mais bon, c'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Cuba défend très bien. Le terrain n'aide pas beaucoup à bien jouer. Il n'y a eu pas beaucoup de précision dans certaines passes, les derniers passes, les centres, on a eu des échecs au niveau d'exécution technique, là, ça on l'a vu. Mais bon, moi en tout cas, je suis fier de l'équipe, je suis content parce qu'aujourd'hui, si j'ai vu une équipe solidaire, qui a essayé, qui a voulu, qui a défendu quand il fallait défendre, parce que c'est vrai qu'en attaque, on a raté des occasions, mais après quand il fallait défendre, on a défendu. Et ça pour moi, c'est très important, on a vu une équipe solidaire sans ballon aussi. On peut dire que Cuba a refusé le jeu ? Oui, oui, complètement. Leur plan de jeu a été surtout, au début du match, d'essayer d'avoir le ballon, mais bon, sans aucune conséquence favorable pour eux en attaque. Et après, la deuxième mi-temps, eux aussi, ils ont défendu à 100%. Ils ont essayé à ne pas recevoir des buts. Nous, bien sûr, on les pousse aussi à défendre parce qu'on a de la qualité, on a eu le ballon, on a fait des actions très dangereuses en attaque. On a augmenté l'intensité au niveau de jeu direct, de longues passes. Donc ça aussi, là, on est très fort. Et donc on les a obligés aussi à refuser au ballon. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu être efficace devant le but. Quel est le plus qui manquait à votre équipe pour faire la différence ? L'efficacité devant le but. C'est un peu similaire à l'Honduras. Le match contre Honduras à la Gold Cup, on est arrivé plusieurs fois devant le but. On aurait pu gagner le match en 30 minutes à la première mi-temps en Gold Cup. Bah, cette fois-ci, on peut dire la même chose. Qu'en deuxième mi-temps, on a pu gagner 3-0 par exemple. Hein. Donc je pense que le manque d'efficacité, ça a été la raison principale de pas défaite, mais match nul. Mais pour nous, c'est un peu défaite psychologiquement. Donc on va devoir travailler sur ça. C'est vrai que c'est très difficile à améliorer l'efficacité devant le but. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit, du moment, du jour, du joueur, du talent. C'est beaucoup de choses que c'est difficile à améliorer. Mais en tout cas, tout ce qui soit sous nos contrôles, on va le faire pour améliorer l'effectivité devant le but. Le reste sera très difficile, Jamaïque deux fois et de Suriname. Quand l'équipe s'est qualifiée en Ligue A, on était tous conscients que ça allait être très difficile, tous les matchs. On ne peut pas dire que Cuba c'est facile et Jamaïque c'est difficile. Tous les matchs de la Ligue A sont très difficiles, absolument tous. On l'a vu aujourd'hui. Nous on a fait match nul contre Cuba. Et la Jamaïque ça va être aussi beaucoup très 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 difficile. Tous les matchs vont être difficiles et ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Les joueurs, le staff, tout le monde doit comprendre que tous les matchs en Liga sont très très difficiles. On ne peut pas arriver sur un terrain et gagner comme ça facilement. C'est impossible, il faut oublier ça. Il faut travailler, il faut être efficace, il faut être humble et il faut essayer de gagner parce que c'est très difficile. Il faut faire des bons plans, il faut prendre des bonnes décisions pour gagner les matchs. Donc demain on voyage vers la Jamaïque ? Oui, oui, on voyage demain vers la Jamaïque, on va se récupérer. On n'a pas beaucoup de jours pour la récupération, donc on va bien travailler pour préparer ce match qui est très difficile aussi, mais on va tout faire pour gagner. On a un plan, on s'est préparé pour ce match, on va se préparer pendant ces 4 jours qui restent pour essayer de gagner. Et après, on verra ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous avons suivi la réaction de Gabriel Calderon Pellegrino, lui-même qui est sélectionneur, sélection nationale, là, qui t'a parlé après match nul entre Cuba avec Haïti. Donc demain, c'est pas le deuxième match là, face à l'équipe qui porte le nom Jamaïque. C'est pour à 8h06, nous pourrons jouer face à la sélection jamaïcaine. Non, c'est pour en déplacement. Et en quitter messieurs, pour aller beaucoup de mesdames, donc nouveau sélectionneur, qui c'est Gonzalves, et bien mettre en préliste de yo. Pour mesdames qui pourront jouer, c'est pour le 21 septembre face à l'équipe Costa Rica. Comme gardien, c'est Kelly Teis, Lara Soufalarco, Ousmane Joseph, Naomi Amboise, défenseur Ketna Louis, Chelsea Surpris, Amandine Pierre-Louis,
Chloé Joseph, Gain Milan Raquel, Pierre Jérôme, Megan Cécile, et Megan pardon Cécile, Tabitha Joseph, et puis Milo Seychelles Jeudi, Daniel Etienne, Gain Noa Olivia Gantier, Maudeline Mouril, Melchidel Dumornet, Gain Dana Pierre-Louis, Joanna Forte, Mylène Dorsey et Karine Jean, et puis Attaquantio, c'est Rose Le Borgila, Batsheba Louis, Gain Roseline Eloisin, Nila Mondésir, et Chouendeski, Marcellus Joseph, c'est Mounsa Frédéric Gonzalves relé puis au capable à jouer et ça nous relé ligue des nations de la CONCACAF beaucoup de mesdames yo nous connaît li pral permettre et mesdames yo qualifier pour la Gold Cup première édition Gold Cup féminine qui va le faire dans les États-Unis sorti 17 février pour dimanche 2024 donc n'a pas comment ça va le passer pour la sélection haïtienne de football. Et puis gagné Andy Soulis là, sinon les font parler de lui. Gagné et des joueuses qui pas de jouer et Coupe du monde là qui là, gagné tout et joueuses qui dans Coupe du monde là. Et qui pas présent dans l'histoire, c'est Navlé et considéré Tim Mathurin qui était dans la Coupe du Monde là qui parle là. Gain Bettina Petit Frère qui parle à tout. Estekov Joseph, Jennifer Limage, nous connaît blessé. Et puis Dalina Joseph, donc joué sérieux. Il était dans la Coupe du Monde qui t'a fait dans le pays l'Australie avec Nouvelle-Zélande pour nous. Mais il n'y a pas présent dans la première liste. Et Frédéric Gonzalez mettait dehors. Et puis pour les nouvelles têtes qui dans le groupe ça, Gain Amandine Pierre lui, nous connaît dans premier temps qui était convoqué et on dit c'était non presque et fin rassemblement pour nous dans la Coupe du monde là et de l'épine de l'île mais nous connaît des matchs administratif yo pas de fait à temps et bien joueuse là et pas jeune passeport haïtien pour être capable à jouer pour sélection haïtienne de football là pour être capable et bien compenser absence une joueuse tant coup et demoiselle ça est constant qui était blessé dans genou li et bien Amandine Pierre pour qu'on y a li présent dans liste à Gain Claude Joseph Joanne Lafotte Mylène Dorsey Karine Jean c'est toutes mesdames ça yo et bien qui jouent qui retourner et dans groupe blanc pour capable à jouer ça nous et les ligues des nations de la CONCACAF bon côté mesdames yo et puis hier Melchidel Dumornet dans et trophée des championnes dans pays la France Lyon qui fait battre Paris de Gaulle à 1 de Gaulle à 0 de préférence et Andy Melchidel Dumornet lui-même qui était inscrit premier goal dans contre là premier goal avec Olympique Lyonnais il finit comme meilleur joueur dans match football là donc c'est un début rêvé pour Melchidel Dumornet avec équipe Olympique et Lyonnais donc on a prétend et bien qui ça qui pourra passer pour Melchidel Dumornet avec équipe Olympique Lyonnais nous connaît donc sous scène européenne non nous capable dire c'est meilleure équipe qui gagne bon et côté et mesdames yo donc on font quitter et sélection et ou du moins mais avant on essaie pour un coup de pause pub mano puisque il est presque 30 ans n'a pas un petit coup de pause publicitaire et puis n'a tourner tout de suite avec actualité à l'échelle internationale. Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde. Parents qui dans le département nord-ouest, et spécialement dans la ville Port-de-Paix, direction collège mixte, c'est Jean-Paul II, a promercié nous pour l'année académique 2022-2023. Et profiter occasion ça pour féliciter nous pour confiance que nous assurons dans l'école là pour éducation petite. Nous. Direction l'école là, a annoncé tout parent que l'IA pour recevoir inscription à réinscription pour l'année académique 2023-2024. Sorti lundi pour arriver vendredi, 8h dans matin, pour arriver jusqu'à 4h dans l'après-midi, adresse l'école là, numéro 6, Rue Frédéric, zone chalet gris-gris. Pour le saisir, t'as des avantages l'école là à profit pour l'année académique 2023-2024. Ça. Parents qui payent obligatoire avant l'entrée des classes, à bénéficier avantage SAID. Et si vous payez avant 10 juillet, pour le 29 septembre 2023, à bénéficier maillot à toile uniforme gratis. Yon placho chaque jour, logo, badge, demi-bouze, tout footballeur qui a vite joué pour l'école. Yon système Wi-Fi disponible pour classe SAID. Sorti kindergarten pour arriver jusqu'à NSK. L'école là a ouvert pour sorti 7 août pour arriver 25 août pour classe officielle.
9e, NS3 et NS4. Collège Mix, Jean-Paul II de Port-de-Paix. Numéro 6, Ruelle Frédéric, Zone Chalet, Grigri. Vous capable contacter nous dans numéro téléphone ça yo. 41 55 66 68 42 06 72 75 43 26 60 74. Ou t'es Melius Futuro, assuré d'un avenir meilleur. Col à droite, parents qui n'ont département nord-ouest, mais Neti Mounio Baizo Boate, petite section, moyenne section, grande section, première année, vivez jusqu'à 6e année fondamentale, de 7e jusqu'à NS. Collège Mix, c'est Jean-Paul de Port-de-Paix, directeur fondateur, révérend, père Cholet Auguste, directeur pédagogique, Roland Léjuste, étudiant finissant en sciences de l'éducation, Ménard Fedner, suivant en général, Louis-Jean-Tony, préfère discipline. Collège Mix, c'est Jean-Paul II de Port-de-Paix, en faisant la différence, nous sommes la seule référence. Nous sommes la seule référence. Vodoum, c'est qu'il tine. Andi yon coup aïbobo pour Bookman, Makandal, Sankara et Latrier. A tout San Barweyo qui te choisi sacrifier Vio pour héritage ça. Vodoum, c'est qu'il tine. M'évite au suivre émission ça. Chaque samedi, sorti 10h pour arriver 11h dans matin. Vodoum, c'est qu'il tine. C'est des ticosés sous racine nous. Sous Vodou Lakay. Sous Toxic FM. 91.3 en FM stéréo. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? DHCT, tant qu'un révolutionnaire, prend devant jeunesse la derrière. Mission, la guerre platate, Mirage Ignorance, chômage à pauvreté, tant qu'un Mirage Jéricho. Chaque critique, nous faisons un monde Mirage là. Ou plein pour diplôme international, c'est à toi la jeune respect dans le monde là, à toi pour travail à l'ouvrir deux battants, bah l'entrée. Ou longer doit sous professeur, c'est l'huile ou la guerre dans le monde nous, pour nous faire plus recyclage sous méthode pédagogique moderne. Ou dit trop option, nous fait carrémeter. Pour jeunes aussi, c'est pas dans le risque de vie dans Matisse Canada. Léo dit stage, nous garantit pour meilleurs étudiants. Léo shooter sous local, ou lever plume sous donne, pour mettre étudiants dans meilleures conditions pour apprendre. Pour attaquer formation, nous réviser cursus avec syllabus, rédiger livre qui adapté à la réalité nous, pour chaque option. Ou dit côté au pral travail, mais c'est là où parfois, nous déchaîner dans les étudiants, formation avec technique pour monter propre business. Ça fait 7 tout Mirai là, nous pral frappé. Vin fait 7 tout Mirai Jéricho Paola, dans sérigraphie, décoration événementielle, maquillage, montage vidéo, photo, vidéographie, dépannage cellulaire, dépannage d'ordinateur, graphique design, carrelage informatique, bureautique, technique window, cuisine et pâtisserie, cosmétologie, plomberie sanitaire, électricité, climatisation, réfrigération, anglais, espagnol, technique douanière, technique bancaire, secrétariat trilingue, administration des ONG, comptabilité informatisée, contremaître, hôtellerie et restauration. Passez inscrit du 1er au 30 août et puis réclamer yon boost d'études free ou se composé dans les 4 même petit bagaille là sans boost d'études pour 100 premiers inscrits. Si jou barré ou du 1er au 22 septembre courir prend demi boost Paola dans DHCT début des cours de octobre 2023. DHCT cap haïtien rue 7F et rue 8G. Téléphone 32 32 31 31 29 42 69 69 37 12 35 42 Port de Paix rue Benito Sylvain. Téléphone 28 17 24 24 42 09 06 06. Soyez au pas avec les nouvelles technologies. On va danser, c'est la vie.
Merci Mano, nous retournons après pause là pour nous capable continuer avec émission. Nous parler à l'échelle internationale avec match qui était joué pour zone Am Sud là dans cadre éliminatoire Coupe du monde 2026 en jeudi, gagné Paraguay qui fait match nul avec Pérou 0 partout. Colombie te bat Venezuela Angola 0, Argentine te bat Équateur un goal à 0 avec un coup franc de et Messi. Et puis en vendredi, gagné l'Uruguay qui bat Chili 3 goals à 1, Brésil te pulvérisé équipe Bolivien 5 goals à 1 avec un doublé de Neymar et un doublé tout de Rodrigo avec un goal de Rafinha. Donc dans match Argentine et c'est Messi qui t'est marqué sous coup franc et c'est 65e goal Messi sous coup franc. Il vient égaler un joueur comme David Beckham. Après que monde qui a plus goal coup franc c'est Juninho et brésilien qui gagne 77. Donc Messi qui a 13 goals pour le capable et dépasser Juninho comme joueur qui marque plus goal coup franc dans l'histoire football. Et puis nous connaît demain et l'Argentine pourra le jouer avant nous venir à programme Andy Gay Messi, jeudi, qui part entraîné pour la sélection d'Argentine de football. On va connaître que c'est pour blessure, mais Messi, jeudi, qui part présent pour la sélection d'Argentine dans la séance d'entraînement. Rappelez que dans le premier match, il était sorti puisque il fait connaître que il n'est pas blessé, mais il sentit fatigué. C'est comme ça qu'il était demandé avec Scaloni pour être capable de remplacer. Et puis, dans le match brésilien, Neymar qui marque un doublé et Neymar qui vient pour Kounia et meilleur buteur de tous les temps histoire sélection brésilienne puisque il dépasse Pelé avec 77 goals pour Pelé contre 79 pour Neymar da Silva Junior qui pour Kounia c'est meilleur buteur dans histoire sélection brésilienne. Et puis match cap gagné et pour demain et dans cadre deuxième journée éliminatoire dans zone Am Studio pral gagné à 4 Bolivie qui pral recevoir équipe Argentine après que Bolivie saute pour un fessé et la caille le Brésil 5 goals à 1. Équateur à 5 heures joue avec l'Uruguay. Venezuela à 6 heures a joué avec Paraguay. 8h30 Chili Colombie et puis à 10 heures et Pérou pral recevoir équipe et brésilienne et dans cadre et deuxième journée dans zone Am Sud là pour éliminatoire Coupe du monde 2026 qui pourra le faire dans Amérique du Nord qui gagne Canada États-Unis avec le Mexique. On allait et l'autre côté avec éliminatoire cette fois-ci c'est pour Euro 2024 qui pourra le faire dans pays l'Allemagne. Des gain match qui était joué hier on dit Kazakhstan et Liban il en du Nord goal à 0, les Féroé tombé 0-1 face à l'équipe Moldavie. Gagné Monténégro qui bat Bulgarie et 2 goals à 1. Et Finlande tombé 0-1 face à l'équipe Danemark. Irlande bat, tombé devant Pays-Bas 1-2. Gagné la Grèce qui bat Gibraltar 5 goals à 0. Albanie bat la Pologne 2 goals à 0. On dit, il a révoqué entraîneur la Pologne qui c'était et Fernando Santos, ancien entraîneur équipe Portugal. Lituanie tombé 1-3 face à l'équipe la Serbie. Gagné et Saint-Martin qui tombe 0-4 face à l'équipe Slovénie dans le cadre de qualification pour Euro 2024. Et puis, et jeudi, il y a un match, la Croatie, Ligue Arménie 0-1, gagne l'Autonie qui tombe 0-2 face à l'équipe Pays de Galles, Irlande, Islande et France bat Bosnie 1 goal à 0, Portugal pulvérisé, Luxembourg 9 goal à 0, après que Ronaldo n'est pas joué jeudi pour la sélection portugaise de football, puisque il était suspendu. Gagne Gonzalo Inácio qui était marqué 12e minute de jeu, Gonzalo Ramos 17e, Ramos encore 33e, Inácio 45 plus 4, Diego Jota 57, Ricardo Horta 67, Jota 77 pour doubler, Bruno 83 et puis João Félix 88e pour équipe et Portugal qui humilie Luxembourg 9 goals à 0. Il y a Slovaquie qui bat Liechtenstein 3 goals à 0 et puis demi pour le Norvège qui parle jouer 2h45 avec la Géorgie, l'Espagne, Chypre c'est pour le 2h45
et toute masse à jouer, Italie, Ukraine, Malte et Macédoine du Nord, Belgique, Estonie, la Suède, Autriche, Suisse, Andorre, Israël, Biélorussie, Roumanie, Kosovo, c'est pour demain et masse à jouer dans cadre deuxième et pardon, dans cadre qualification pour Euro 2024. Dans le classement de groupe A, gagne l'Espagne qui gagne 7 points. En deuxième position, en première position, c'est Corse avec 11 points. Dans le groupe B, la France gagne 15 points. La Grèce gagne 9. Et puis, dans le groupe C, l'Angleterre gagne 13. Ukraine gagne 7. Groupe D, la Croatie 10 points. La Turquie 10 points. Groupe E, Albanie 10 points. République tchèque 8 points. Dans le groupe F, la Belgique 10 points. Équipe autriche gagne 10 points. Et dans le groupe G, Hongrie 10 points. La Serbie 10 points. Groupe H, Slovénie 13 points. Danemark 13 points. Groupe I, la Suisse 11 points. Roumanie 9 points. Et dans le groupe G, gagne Portugal qui gagne 18 points. Slovaquie qui 13 points, c'est et constant et classement yoyé dans qualification pour Euro 2024 qui pourra le faire dans pays et l'Allemagne. Rappelez que et l'Allemagne pourra le jouer demain face à l'équipe de France là, c'est dans cadre match amical. Donc avant hier et nos match amical entre l'Allemagne avec le Japon, Japon qui bat sélection allemande là et 4-1 et du coup yo limogé et Flick lui-même qui s'était entraîneur équipe allemande ça. Donc Allemagne qui pourrait et entraîné pour le moment par Rudi Völler qui s'est ancien sélectionneur Allemagne en 2000 arrivé 2004 était finale Coupe du monde en 2002, était gagné Coupe du monde comme joueur en 1990, elle dérivait remporter Ligue des Champions avec l'équipe Marseille en 1993. Donc, c'est Rudi Völler qui pourra le mener, qui pourra assurer intérim pour la sélection allemande de football. Dernier temps, ça qui pas bon du tout. Depuis après 2014, il est éliminé dès le premier tour dans la Coupe du Monde 2018. Là, un groupe qui a gagné le Mexique, la Suède, Corée du Sud. Donc, il n'y a pas de passer dans le groupe ça. Et puis, en 2022, encore, il est éliminé dans le premier tour dans le groupe qui a gagné le Japon, Costa Rica, l'Espagne. Donc, c'est vraiment difficile pour la sélection allemande de football. Puis, il est capable de retrouver Mac, il a gagné d'autant. Donc, ancien entraîneur qui bat Dominique Lan et Hans Flick qui va être limogé par la fédération allemande de football. L'autre côté, avec nouvelle lieu, on quitte le football pour aller dans l'US Open, Andy Djokovic qui bat Medvedev et 3-7 à 0 capable de remporter un 24e titre de Grand Chelem. C'est 6-3, 7-6 tie-break et 6-3 pour Djoko qui gagne beaucoup de 24e titre en Grand Chelem. Donc il gagne 24 titres. Et en deuxième position, nous jouons Rafael Nadal qui gagne 22. Et puis en troisième, c'est Roger Federer qui gagne 20 titres de Grand Chelem. Donc Djokovic, lui-même, cap avancé et mis à grand pas avec titre de Grand Chelem. Puisque pour qu'on y ait gagné 2, en plus, le monde qui vient après l'an, qui c'est Espagnol, Rafael Nadal. Parce que, est-ce que Mgadi de Bagout, lui-même, il finit et dans le tennis, puisque nous connaissons le tennis, c'est un sport individuel. Donc, sûrement, monde qui a remporté plus de titres, c'est le même qui a depuis fort. Même si il y a un peu de monde qui estime que un joueur tant que Federer l'échanger, histoire de tennis, là, puisque son joueur qui était très technique. Donc, c'était un artiste et Federer était et dans le tennis, là, mais et Djokovic qui bat. Joue ça en pile en parlant de Federer avec Nadal, il gagne plus titre de Grand Chelem que au même. Donc c'est que Djoko lui-même il gagne argument pour capable et venir comme plus gros joueur, on dit plus gros tennisman qui passait et sous Sikuya sans pas oublier et André Agassi et Bjorn Borg et Latrier qui était passé qui était en pointe dans tennis là, mais et trois joueurs ça yo c'est que il y en a quatre à part en parlant de Djoko, Rafael Nadal avec tout où j'ai fédéré. Et puis beaucoup de mesdames, il y a Coco Gauff qui bat Sabalenka de 7-1 et premier 7 lancé, c'est Sabalenka qui va le gagner et 6-2, mais après et Coco Gauff américaine d'après passer le 6-3 et 6-2 pour être capable de remporter premier titre de Grand Chelem
Elle est venue comme américaine qui plus jeune qui vivait et remporté un titre de Grand Chelem depuis 1999. Et à l'époque, c'était Serena Williams qui était remportée à l'âge de 18 ans. Donc, Coco Gauff qui pourrait recevoir 3 millions de dollars américains pour sa clé dans l'US Open qui t'a fait, tandis qu'il est toujours fait dans la ville New York. Et puis, et l'autre côté, toujours avec actualité yo, en basketball pour le moment. Et gagné l'Allemagne qui vient remporter Coupe du monde de basketball là côté au bat la Serbie 83-77. Donc et Denis Schröder joueur Lakers là et bien il remporté et Coupe du monde avec pays. Et puis dans match de classement gagné le Canada qui bat les États-Unis 127-118. Donc États-Unis qui était comme grand favori pour compétition ça il finit en 4e position dans d'où l'Allemagne la Serbie avec toute équipe canadienne a appelé que l'Espagne qui était champion de titre est à poil éliminé par équipe Canada. Donc nous parlons et ça qui parle passer pour équipe États-Unis en JO qui parle venir là qui parle fête à Paris. Et puis l'autre côté avec et nouvelle yo toujours on dit gagner et français en parlant de et Paul Pogba et qui veut que bah il pas marché très bien pour lui et bien et depuis 20 août nos matchs face à Udinese et bien Paul était testé positif à la testostérone, donc c'est une substance qui interdit pour jouer consommer. Donc Paul Pogba qui veut que il provisoirement suspendu par ANSA et non et pays l'Italie nous qu'on est pour combien de temps et Paul l'épaule suspendu mais c'est provisoirement et Paul l'épaule qui a joué pour équipe Juventus de Turin et donc c'est vraiment une descente aux enfers pour et Paul Pogba qui a raté Coupe du monde 2018 là à cause des blessures. Après il a fait un problème avec Frélie, ça a fait un peu le parler et dans micro la presse et blessure pas épanier puisqu'il est venu retourner pour la Juventus, il était blessé et récemment dans la dernière journée et avant et rassemblement FIFA et Paul était sorti sous blessure pour équipe Juventus de Turin et pour Konya Paul lui-même qui testait positif. Donc Paul Pogba qui prend qui met tibay dans sang et bien provisoirement il suspendu Paul Pogba dans et pays l'Italie. Et puis et l'autre côté avec nouvelle yo gagné Luis Rubiales est bien hier qui présente démission en tête fédération Andy REFEF qui c'est la Royal Fédération Espagnole de football. Écoutez, depuis après scandale qui était pété et pendant remise trophée dans Coupe du monde féminine qui t'a fait dans pays l'Australie avec Nouvelle-Zélande là que et Rubiales t'a pas le beau sous bouche un joueuse tant que Jennifer Hermoso. Et bien depuis après ça bagaille qui pas bien du tout pour Rubiales. Dans ce premier temps, FIFA t'a pas suspendu pour 90 jours et il t'a pas quitté tête fédération même si et c'est pas avec propre conviction parle. Et bien c'est hier Rubiales lui-même lui fait connaître que il quitte tête fédération espagnole de football gagné Zamil qui s'était Rolivilda et sélectionné l'Espagne qui t'a pas révoqué tout et après 15 ans il passé dans tête sélection espagnole féminine. Et bien c'est officiel. Eh bien, Luis Rubiales li démissionné dans tête Fédération espagnole de football. Donc on a pritan ça qui va passer puisque dossier pas fini puisque Jennifer Hermoso était porté plainte pour agression sexuelle pour président on dit ex président Fédération espagnole de football là qui c'est Luis Rubiales. Donc avant nous mettons un thème avec actualité yo on a l'autre côté et avec nouvelle Anzig équipe Real de Madrid là Real de Madrid qui est avlé prend Alvarez argentin et si toutefois on a échoué dans dossier Mbappé pour été qui va aller venir nous connaît et pendant été ça Mbappé fait connait il pas prolonger contrat
avec direction, on dit avec équipe Paris Saint-Germain, donc ces dernières années et dans Paris Saint-Germain, direction Real Madrid dans tes pensées et je vais t'avenir dans le club dans ça qui pas arrivé fait. Et bien c'est toutefois et saison prochaine Mbappé il pas venir dans l'équipe Real Madrid puisque et estimé que je suis capable de prolonger à n'importe quel moment dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc dirigeant Real Madrid yo un bien jeté de voler sous Julian Alvarez argentin car je n'ai équipe City, si toutefois il va t'arriver et gagner Kylian Mbappé, donc dossier à suivre pour Real de Madrid avec tout Kylian Mbappé. Et puis et l'autre nouvelle dans le journal pour aujourd'hui et avant nous mettons un thème Mano, donc entre temps numéro radio à 53 et 79 22 et 34. Donc si vous avez vraiment d'informations les capable taper 43 79 22 et 34 pour capable rentrer dans émission en gain Pedri Gonzalez militaire qui Barcelone qui était blessé récemment. Et bien et Pedri il pourra rater plusieurs semaines de compétition pour l'équipe Barcelone. Il est capable de tourner mi-octobre pour le club catalan et contrairement avec Ada Guler jeune pépite tuclan est capable de retourner venir jouer dans fin mois ça pour le Real de Madrid. Donc c'est ça et qui gagne et pour qu'on y a pour deux joueurs ça y est. Et puis et l'autre nouvelle avant nous mettons thème dans première sortie émission Sport 91 pour ce maintenant. Donc j'en ai dit l'Afrique qui limogé équipe et allemande, donc l'Allemagne l'évoqué et Flick lui-même qui a fait triplé en 2020 et avec équipe et Bayern de Munich là ça a été passé Barcelone un véritable sévère 8 goals à 2 et non songé époque ça et mais Flick qui va faire visoli dans et sélection espagnole de football. Donc Mano, et c'est là nous mettons un thème avec première sortie émission Sport 91 pour ce maintenant. Nous merci tout le monde qui t'a suivi. Nous prochain rendez-vous c'est pour demain pour une nouvelle sortie du Sport 91.